Maëva Guéna m'expliquait hier soir qu'elle a perdu l'ouïe sur une oreille quand elle était petite. Découvrez la raison de surdité. Depuis plusieurs semaines, c'est officiel, Maëva Guéna et Greg Yega sont de nouveau en couple. En effet, pendant le tournage de la prochaine saison des Marseillais, les deux candidats se sont rapprochés. Rappelez-vous, dans le cross, Greg s'était mis en couple avec Mélanie Orel. D'ailleurs, à cette époque, Maëva et Greg promettaient avoir définitivement tourné une page sur leur histoire. Mais il faut croire qu'entre les deux Marseillais, c'est à la vie et à la mort. En effet, aujourd'hui ils seraient fous amoureux, et plus heureux que jamais. D'ailleurs, depuis qu'ils sont en couple, Maëva serait en froid avec sa grande amie Nabila. Selon de nombreuses rumeurs, cette dernière ne supporterait pas Greg. Hier, Maëva se faisait une vraie frayeur. En effet, à son réveil, la jolie brune découvrait que sa bouche était particulièrement gonflée. C'est très inquiète que la jeune femme partageait une vidéo sur son compte Snapchat, afin de savoir si cette réaction était normale ou dangereuse. Heureusement, dans la suite dans la journée, tout est rentré dans l'ordre. Maëva Guéna, sourde d'une oreille. Maëva Guéna vit à Dubaï avec son ami et assistant Akram. Lors d'une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, le jeune homme reproche à Maëva de mettre la musique et la télévision beaucoup trop fortes. La jolie brune a donc expliqué qu'elle ne s'en rendait pas compte. En effet, quand elle était petite, Maëva a perdu l'ouïe sur une oreille. Dans la vidéo postée ci-dessus, elle explique comment cela est arrivé. Dans les images postées ci-dessus, Maëva raconte « Je suis sourde d'une oreille, vraiment sourde, j'avais 13 ans, on m'a enfermée dans une grande poubelle, on a jeté un pétard, j'entendais plus, j'ai perdu l'ouïe, voilà pourquoi j'écoute la musique à fond, comme il y a la clim je n'entends pas bien la télé. » Et vous, saviez que Maëva souffrait de surdité? Maëva Guéna, la candidate des Marseillais, est revenue sur un épisode particulièrement traumatisant de sa jeunesse. On vous dit tout dans cet article. Maëva Guéna avoue être sourde. Tandis qu'elle est désormais en couple avec Greg Yega, il semblerait que Maëva soit prête à faire quelques projets avec lui. En effet, elle a confié qu'elle souhaitait devenir maman. « Je suis amoureuse. Je suis trop amoureuse. » « Je vous jure, je suis trop amoureuse », a-t-elle commencé. « Avant de poursuivre, il faut que je me confie à vous. » Je suis amoureuse et j'ai 24 ans. Et je me dis que c'est le moment de faire des enfants. J'ai trop envie d'être maman. Vous m'imaginez maman. Maëva Guéna avec des enfants. Je serai trop belle, mes enfants seront trop beaux, trop mignons. Voilà, là je me sens prête à être maman. Je pense qu'en 2022 je tombe enceinte, 2023 j'accouche.
Point toutefois, en arrière-plan Akram lui rappelle qu'elle doit se marier avant. Alors, celle qui a répondu au tacle de Mia Jasmine a enchaîné, « Il faut d'abord que j'aime Marie. » Vite qu'on me marie, je suis pressée. Comme ça je fais un enfant, direct le soir même je fais un enfant. J'ai trop envie d'être maman, de me marier. Il semblerait donc que Maëva envisage un avenir heureux pour son couple. Reste à savoir si Greg Yega aura les mêmes envies que sa chérie en 2022.